C'est à vous la suite à notre table ce soir. Trois amis réunis dans une pièce de théâtre écrite par Amanda Sterz et David Funkinos. Trois amis qui, chacun de leur côté, ont une autre passion que la comédie, la chanson. Ah. On the road again, again. On the road again, again. Again. And again. Kad Merad on the road again. Yes. Claudia Tagbo, elle, en duo avec Andrew Strong, The Commitments. Ah, yeah, c'est vieux. Et Lionel Abelinski, lui, chante du Georges Brassens. Alors, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les non, yeux. Non, parce que pas le vidéo. Moi, j'ai un document sur lui que je tu chantes à la fête de la musique, là. Sur ton Instagram. Qui fait ouais. Non, c'est pas sur mon Instagram. C'est sur quoi? Non, on a cherché sur son Instagram, on n'a pas trouvé. Alors, bonsoir, on vous dit bonsoir. Bonsoir, Claudia Tagbo, Canmera, Lionel Abelinski. Merci d'avoir accepté cette invitation à dîner pour une nouvelle pièce de théâtre, Amis, mise en scène par Kad Merad. Yes. C'est pas une comédie musicale, pourtant tous les trois vous chantez hyper bien. C'est quand même fou ça. Ouais, on essaye en tout cas. Non mais c'est dingue. Moi j'en rêve, mais je chante pas bien. Mais vous rêvez d'être un chanteur de rock. J'aurais adoré, ouais. Chanter antisocial par exemple. J'ai chanté antisocial, mais je chante pas aussi bien que Kad, mais j'adore la chanter. Tu chantes bien Radiohead surtout. Vous voulez pas nous faire un truc sur antisocial? Parce que Kad, vous êtes tombé dans la musique quand vous étiez petit. Oui. La batterie. Oh. Jean-Michel à peu près. I believe I can fly. Et puis, ça devient vraiment important parce que vous allez faire une série de concerts. Oui. Vous irez de Sinatra à antisocial. C'est vrai. Donc, on s'est dit que si on se mettait un peu d'antisocial chanté par Lionel, ça allait vous embarquer. On y va. Chanteur. C'est toi, ça? C'est moi. Moi, ouais, c'est Lionel. Comment vous faites? Repense à toutes ces années de service. Ah ouais. Allez, on y va. Antisocial, bientôt des années de service. Allez. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passant. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais essaie de faire le poids, ça plutôt les poings. Pousse ta remède, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Vous êtes rouge, Lionel. Vous êtes rouge. Je l'ai chanté une fois avec un groupe et j'ai presque fait un malaise vagal après. Tellement cette chanson, elle demande de l'énergie. Ah, la battle, il gagne. Génial. J'ai vu, moi, Kate on stage. Le fameux spectacle musical itinérant, vous serez d'ailleurs c'est très impressionnant. Samedi dimanche 23 à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Ben ouais. Et vous chantez antisocial. Il reste quelques places. C'est pour ça. Faut faire monter Lionel sur scène. Mais quoi. Il est venu me voir et j'ai proposé la prochaine fois de jouer antisocial avec moi parce que d'abord c'est un bon chanteur et c'est surtout un très grand acteur. Mais exactement. Puis il fait un malaise vagal. Transition. On y vient tout de suite, évidemment, à cette pièce. Claudia, bravo pour cette voix d'enfer. Merci. C'est arrivé par hasard, ça. Ah oui, là c'est vraiment un joli cadeau et j'ai dit oui. Quand on reçoit un joli cadeau comme ça, faut dire oui. Donc voilà, je suis très contente d'être avec eux là. Avec les deux fous, là. Ah, ils sont fous, ils sont fous. Ils vous ont rendu ben là, il y a un qui crie ici, l'autre qui crache dans mes lasagnes. Oh, c'est quoi? Les lasagnes préparées ce soir par Damien Pichonneri. Oh, chez Italiano à Paris, dans le 6e. Antisocial. Qu'est-ce que c'est? Des lasagnes. Lasagnes avec, toute simple, tomates, burrata, un petit peu de veau. Une bonne pâte. Simple. Merci beaucoup. C'est délicieux. Cher Damien, vous avez goûté? Oui, alors, je me suis permis d'aller goûter, moi, un petit peu tout à l'heure. Dans la casserole. J'ai pris dans la casserole directement. J'aime bien la viande, magnifique. Très bon, très bon. Merci. Non, c'est bon, c'est délicieux. Merci, Catherine. Le point de départ de la pièce Amis, c'est donc l'histoire de Serge, 45 ans, l'air inhibé, Lionel, qui demande à Pierre, 50 ans, bel homme, sûr de lui, élégant. Ouais, ça, c'est ce qui est marqué. Cadre. C'est drôle parce que c'est ce qui est marqué, tu sais, quand il y a la description des personnages. Ben ouais. C'est pas moi qui ai mis bel homme. Hein. Il y a eu une défection d'acteur. Oui. Oh. Je vais appeler Moretti, moi, si ça continue. Et il va me défendre. Il va revenir. Il est encore là. Monsieur Dupont-Moretti, il va me défendre. Donc,
Jacques, qui demande à Pierre, 50 ans, bel homme sur du lui élégant, oui, de venir chez lui de façon urgente sous prétexte d'un dossier extrêmement grave. Et vous, évidemment, Kahn, vous pensez que c'est un maître chanteur. Vous, oui, imaginez le pire, une sextape? Ben voilà, une Benjamin Griveaux, un truc comme ça, un truc qui... Ben oui, on dit c'est nouveau. Ouais, c'est le nouveau terme. Ben oui, c'est ça. Non, évidemment, je ne m'attends pas du tout à ça. Et puis surtout, il prétend être mon meilleur ami grâce à un site de rencontre qui s'appelle Amitique. Amitique pour les garçons, pour rencontrer... Vous connaissez l'amour pas, Amitique? Mythique pour rencontrer Arrêtez l'amour. Arrêtez de faire cette comme mythique, ça. Pour rencontrer l'âme sœur. J'ai dit quoi? Amitique. J'ai dit mythique, c'est pour rencontrer l'âme sœur. Et Amitique, c'est pour rencontrer le... C'est faire des amis. Voilà. Et il prétend que vous êtes son ça match. Sauf qu'il n'y a, rien entre nous. C'est pas possible. Donc c'est un boulet. C'est un boulet permanent. comme il a fait une enquête, comme il a eu le temps de scruter ma vie. Voilà, il connaît un peu mes dossiers, dont les choses un petit peu compromettantes. Voilà, compromettantes. Et donc il me tient comme ça. Et en plus, il vous tient comment? Comme ça. Comme ça. On n'a pas présenté le personnage de Claudia. Ça vient. Alors, il arrive. Oui, bah oui, deuxième acte. La femme de Kahn. Bah oui, ma femme, Claudia. Très jolie femme en bourgeoisie, un peu mémère. C'est ça, tout à fait. Avec son chien. Ouais, son chien qui s'appelle Petit Pois. Petit Pois. Magnifique chien qui m'adore et qui aime un peu moins son père. Oui, qui est un petit peu. Voilà, moi j'ai un peu de mal avec le chien parce que en plus il est amorphe, il est tout le temps. En fait, il bouge pas beaucoup. Parce que tu sais pas le regarder. Non. Commence pas. Et ça commence. Et c'est un vrai personnage, hein, le chien. Le petit pois. Petit pois, c'est un vrai personnage. Non, mais vous mettez en scène donc. Oui, oui. Alors, en scène aussi le chien. Oui, oui. Alors j'ai décidé de mettre en scène cette pièce. Je l'ai lue. On m'a proposé de jouer dans la pièce. J'ai dit moi je veux la mettre en scène. J'ai très envie. Le texte m'a plu énormément. Il y a plein de choses qui m'intéressaient dans la pièce. J'avais envie de la mettre en scène. Voilà, c'est concret, puisque là, on est à une semaine à peine. Vous êtes crevé parce que vous répétez toute la journée. On a l'air crevé, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit en arrivant. Parce que je suis fatigué, j'ai une tête de fatigué, c'est ça? La tête, ouais. Non, non. Quoi? Elle est folle. Parfois, elle est partie. Elle n'est plus à la télé. Elle est à la maison. Elle est à la maison, ça y est. On va l'envoyer à Clermont-Ferrand. Non, non, mais... Attention, j'appelle Éric Dupond-Moretti. Ouais, bah, non, mais ça marche. On peut regarder le teaser de la pièce? Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, on y va. Bonjour, je m'appelle Serge. Je suis originaire de la Creuse. C'est une très belle région où on trouve le plateau de Mille Vaches et où on mange de la flognarde, une sorte de clafoutis délicieux. Je suis à la recherche d'un ami sincère pour rire, échanger et boire du blanc en terrasse. J'ai des milliers de conversations qui ne sont pas encore sorties de ma bouche. Si tu es intéressé pour devenir mon meilleur ami, contacte-moi. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis banquier d'affaires, j'habite à Paris, capitale économique de la France. Je ne sais pas ce que je fais sur ce site, j'ai pas besoin d'amis. J'ai assez de boulot comme ça. Contactez-moi. Bonjour, je m'appelle Martine, mon mari travaille beaucoup et moi j'adore faire la cuisine. Voilà notre petit chien adoré, Petit Pois. Rendez-vous à la Michaudière. Vous aimez bien les bougies parfumées au concombre. Mm-hmm. C'est ce qui est écrit. Elle n'est pas au courant. Ça a été rajouté, ça. C'était pas au courant. C'est moi qui ai rajouté. Le profil en dessous. Je viens de voir, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Et vous êtes fan des albums de Jules. Voilà, et okay. Je collectionne les vérandas usagées. Et parce qu'en fait, j'avais envie que quand on... Comment? De chez Akena? Ah non, pas du tout. Ah non. Pas de publicité. Non, parce que j'avais envie, comme le teaser, bon, ça, il y a une première lecture, c'est sur le teaser, et j'avais envie, comme les gens... C'est sur les réseaux sociaux, regarde évidemment. Fois. Comme ils regardent, ils analysent. J'avais envie de mettre en dessous des petites phrases voilà, qui concernent. Voilà, par exemple, Lionel est collectionneur d'étiquettes de camembert au noix depuis 88. Il adore faire des selfies avec son voisin. Ça, donc voilà. J'aurais tous donné des... C'est rajouté, c'est pas dans la pièce, mais c'est rajouté très drôle, pour le teaser. Je vous remercie. Bon, le point de départ de cette pièce, on l'a compris, c'est « Et si, en gros, l'amitié pouvait être décidée par un algorithme ?» Alors, ça m'a fait penser à quelque chose. Je sais pas si vous regardez, c'est une super émission. On se retrouve dans une situation inédite. Nous vous avons trouvé une compatibilité avec deux hommes. Du coup, tu vas avoir deux maris? Non. On peut pas se marier avec quelqu'un pour rencontrer comme ça un seul regard. Waouh! Je pouvais pas rêver mieux. Moi, j'ai peur qu'il y ait ça. Ouais, j'ai vraiment peur qu'il y ait ça. Il est parfait. C'est exactement ce que je rêvais en fait. Ce n'est pas mon type d'homme. Et en même temps, je sais que je me suis toujours trompée. Marié au premier regard, une émission où on se marie sans se connaître. Vous regardez, oui. Kahn? Bah, je regarde, oui, je regarde comme tout le monde. Je suis curieux de toutes ces émissions. Et le concept est dingue, quand même, franchement. Et puis ça va jusqu'au bout, ça va à fond. Tu connaissais pas, ça? Non.
Mais des gens qui deviennent accro à cette émission. Mais oui, mais ça, je pense que c'est un concept de dingue. Je pense que ça vient encore de. Mais pour de vrai, ils restent ensemble et tout après. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça marche, après, des fois, ça marche après, pas. On retourne. Enfin, non, peut-être pas des années encore. On les laisse tranquilles après. Non, non, effectivement, ils se marient et après, ils décident ou pas de rester mariés. Non, mais c'est dingo. Oui, c'est dingo. Et ça marche, ça fonctionne. Oui. J'ai un autre exemple, oui. Vintage. Est-ce que vous ne seriez pas inspiré des sous-doués en vacances et de son Love Computer? Oh non. Non mais regarde-moi ces courbes. Là, il y en a deux, ça fait tilt tout de suite entre eux. C'est quel couple? Attends, je vais te l'isoler. C'est ceux-là. Oui. Regarde. Bon, ça aussi, vous connaissez. Claudia, on a aussi un peu fouiné hein, sur votre compte Instagram. Oui. Et on a trouvé une vidéo de danse. Et là, c'est pas sur Destinée. Hein. Ah. Regardez. J'ai peur. Vous dansez ? On la voit pas, on la voit pas. On l'a pas vu. Mais nous non plus. Ah non, mais c'est pour la pièce, c'est pour la pièce. Ah. Ah. On en répète là. C'était une punition ça. Non, c'est pas ça. C'est pas pour le plaisir, hein. C'est pour la pièce, on est non, d'accord. Non, attention, là je suis obligé de rétablir la vérité. Rétablir voilà, la vérité. Chaque retard est puni de quelque chose. Et ce matin-là, j'avais décidé, puisque c'est moi le metteur en scène, que chaque retard de l'un d'entre nous serait puni de, j'avais dit quoi ? D'un collet serré. D'un collet serré. Qu'est-ce que c'est ? Un collet serré, c'est la chanson. C'est le zouk. Le zouk, ça peut être un collet serré. Collet serré. C'est moi qui choisis Zouk la Médica Manouni, qui est l'hymne. Moi, j'ai grandi, j'ai dit avec ça, mais j'ai bossé en Guadeloupe notamment, et c'était vraiment l'hymne des Antilles, et j'adore ce morceau. Et puis pour nous, ça représentait quelque chose, on a tourné Safari avec Valérie Benguigui. Qui était vraiment comme ma sœur et qui était une très très bonne amie à nous. Et donc on s'est dit, on va faire Zouk, la Sesame, Médicament Nouni pour Valérie. C'est ça avec Valérie. Et moi j'ai filmé. Ouais, voilà. Je me suis dit, tiens. C'est la répète, voilà, on est dans une espèce de salle en dessous le théâtre. Et là, donc on est là, c'est que vous étiez puni. Vous non, c'est Lionel qui est puni. C'est parce qu'il est arrivé en retard. Ah, c'est un collet serré avec vous. Avec un retard à cause des grèves RATP. Oui, oh, ça va, ah, tout de suite. Alors, ah, vraiment, parce que je prends des fonds, monsieur, oui. Ah, bien sûr, ouais. Oui. Mais vous connaissez hyper bien, tous les deux. Ah oui, bah, hyper oui. Bien. Ah, oui, oui. Vous connaissez vraiment tout de CAD. Pas tout, je connais pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Vous avez fait 4 films ensemble. Il y a des choses que... Vous êtes un des acteurs fétiches d'Olivier Barou. Ah bon? Exactement. Pas toi? Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas CAD? Pourquoi c'est pas CAD? Parce que vous, 30 ans d'amitié quand même entre Olivier. Avec Olivier? Oui, ouais. Bah oui. Ouais. Minimum. Pourtant, vous lui avez demandé de tourner dans les Tuches. Oui. Il vous a dit non. Non, il veut pas. Mais pourquoi? Il veut pas, je sais pas. Pourtant, je le fais chez tous les jours. Je dis alors, j'ai pas reçu ma convocation. Il me dit, t'inquiète pas, à partir du 12 avril, tu vas recevoir un truc. Mais en fait, il finit de tourner le 12 avril. Et c'est un truc entre nous, évidemment. Bah oui, non, c'est une parce blague. Parce que je crois que... Parce que quand on est ensemble, c'est pas la même chose pour lui. Là, il est vraiment... j'ai l'impression qu'il a un autre rôle. Il se sent peut-être plus libre avec moi. C'est compliqué parce qu'on a une telle complicité. Mmh. Tellement tendu. Il connaît très bien Lionel puisqu'on a tourné Just a Gigolo. Lionel était dans le film. Et c'est vrai qu'il a tué Olivier, Pamela Rose. Oui. Safari. Il était dans le premier Pamela Rose. Dans le 2 aussi. Dans Safari, dans le 2. Enfin bon, ouais. C'est vrai qu'il connaît un peu cette complicité. Et parfois, ça peut être un peu... Un peu tendu. Ouais. Tendu, pas vraiment. Donc quand ça pète, ça pète pas. Il veut pas que je joue dans les Tuches. Pourtant j'ai dit vas-y, donne-moi un truc. Et là, il veut pas. J'y peux rien moi. Claudia. Oui. Ah. Vous avez commencé comme cadre sur les planches. C'est ça. Par du théâtre classique. Oui. Lucrèce Borgia. C'est vrai. Vous vous en souvenez encore? Certaines tirades. Oh, oui, il va me rester un petit bout de Valère Novarina peut-être sur Appel à poète qui dit. Nous sommes dévêtus de ripos, nous sommes vêtus de nos peaux, nous sommes au monde. Ah, ça va. Parce que c'est mieux en chant en fait. Ah oui. Vous mettre dans l'embarras. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes les véritables hommes qui ont mon frère. Voilà. Voilà, Novarina. Je viens de cette langue-là, comme de cette langue-là, puis le one-man show, et le cinéma, et la boxe.
aux côtés de Teddy Riner. Voilà. Vous lui avez mis une sacrée raclée. Non. La veille non. de sa défaite. Mais si, ouais, vous avez posté la vidéo le 8 février. Le 9, il perdait son premier match en 9 ans. Merde. Mais non. C'est pour votre mais vie. Non. Pas du tout. Ah si. On a tourné la chose il y a longtemps. Et ça a été diffusé, effectivement, la veille. Bon, ben voilà. Ah ben nous, on y a vu un lien de cause à effet immédiat. On a fait vous mettre en examen. Ça l'a déconcentré. Hein. Pas du tout, je ne crois vous pas. Vous l'avez épuisé, surtout. Moi, je pense qu'il a perdu là et ça va être très bien pour les Jeux. Vous allez voir. Vous aussi, Lionel, vos débuts, c'est sur les planches. Et puis ensuite, on vous croise de plus en plus au cinéma. Pour Train de vie, par exemple, pour lequel vous êtes nommé au César. Et puis, un trophée spécial, puisque vous êtes le seul Français à avoir tourné avec un certain Woody Allen, c'était dans Magic in the Moonlight. Ah, je suis pas le seul. Il y avait eu dans ce film-là, je crois. Il y a eu Carla Bruni aussi. Non, mais il y a eu dans Moonlight in Paris. Dans Magic in the Moonlight, je veux dire. Oui, dans Magic in the Moonlight. À tourner avec. Mais en fait, je crois même pas. Je l'ai dit un jour, mais je crois pas parce que je crois qu'il y a un autre acteur. Je crois. Menti. C'est une connerie. Non, mais je me suis trompé. Je croyais être le seul Français, mais en fait, vous êtes 12. En fait, vous êtes le seul. On est 60. Gardez dans ce film-là, gardez-le. Vous êtes le seul. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous le dire, nous l'avouer, qu'il y a des meilleurs metteurs en scène que Woody Allen? Il est beaucoup plus présent, en tout cas. C'est-à-dire ça veut dire quoi, il est beaucoup plus présent? Il y a beaucoup de gens qui ont tourné avec Woody Allen et qui ne l'ont pas vu. Et vous, c'était votre cas? Si, il est venu. Parce que je tournais avec Colin Firth qui avait besoin vraiment d'indications. Mais il y a une anecdote qu'on m'a racontée, qu'une assistante dont je tairai le nom m'a racontée. C'est que sur son précédent film, il allait aux essais caméra. Et puis il dit « Bonjour monsieur ». Alors l'assistante lui dit « C'est votre... Votre acteur principal, c'est Owen Wilson. Il fait « Ah, bonjour, enchanté. Woody Allen, c'est la dernière fois qu'on se parle. Voilà. » Voilà. Et ça, voilà, il est dans son coin avec son staff. Et puis, les informations passent par des assistants. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'il n'a pas des punitions du genre « un collet serré avec moi ». Ça n'existe pas. Si vous êtes en retard. Ça, Woody Allen n'a pas du tout cette méthode acteur studio collé serré. Chacun sa méthode aussi. Mais moi, ça marche très bien, hein, parce que depuis, ça, y a une cohésion. La pièce se met en place, on n'est pas loin d'être prêt. Et on n'est plus en retard, surtout. Et on n'est plus en retard, jamais. On se dit collé serré. Moi, ça ne me fait pas peur, un collé serré avec Adam. Lionel, vous le disiez, très présent aussi dans C'est à vous, Cadmerade. Oh là là, vous en êtes à votre... Ça fait combien de passages? Mais je suis désolé, vous m'invitez, je viens, moi. Il y a toujours des bons plats. Mais nous, on est contents, Cad. Il y a toujours des bonnes choses à boire. 11e passage. Ah ouais, quand même, c'est 11e. Là, ce soir, c'est l'11e. C'est beaucoup. Non, déjà, c'est le 12e. C'est le 12e aujourd'hui. C'est beaucoup, là. Déjà, on se voit. J'arrête. On a compilé les 11 premières. En deux mois. C'est Karim Rabash qui s'y est collé. Oh non, j'aime pas ça. Si, ah, si. Non, mais c'est là, vraiment, faut le voir, ça. Ouais, regardez. C'est positif. Aujourd'hui, Cadmerade, je me suis replongé dans les archives de C'est à vous, histoire de dresser un petit bilan de tous vos passages. J'ai kiffé. En 11 ans, vous êtes venu 11 fois. Ça fait mal. Vous avez connu l'émission sous toutes ses formes, avec ses trois présentatrices emblématiques, avec un joker de luxe, et même avec ce monsieur. Ouais, ça va, bonsoir, bienvenue. Bien. Mais surtout, Cad, vous avez été témoin de toutes les phases du régime de Patrick. Il est plus gros en vrai qu'à la télé. Mais quel enflure. À la rédaction, on est toujours super content de vous recevoir, car on est avant tout de vrais fans de votre travail. Un jeu devenu culte, le Camoulox. Lox. Si pour l'émission, vous êtes ce qu'on appelle un bon client... Il peut aussi vous arriver d'avoir des petits coups de mou et de ralentir le rythme. J'ai une portière, moi, vous courez avec une portière. Et donc, j'ai une vraie menotte. Il fallait qu'on ait l'impression vraiment que même s'il faisait 45 degrés, tu vois, c'était une petite... On doit sauter dans un bateau avec la portière et Alice. Ça a été coupé. Ouais. Pourquoi ça a été coupé? En fait, c'est le fleuve qui est au milieu de Bangkok, qui est un fleuve qui est très profond. Marquant. Tu sais, les bateaux très longs, les bateaux, vous voyez, avec les gros moteurs, avec les grandes hélices très... J'ai dit ça, le mec fait oui, c'est vrai, vous avez raison. Si je saute dans le bateau et que je tombe, alors c'est pas tout, c'est que j'ai réussi à avoir une petite menotte en plastique. Alors à ce moment-là, attends, me dit t'as raison. Sauf qu'après, il y a une scène et le type, il est parti avec la... Ils ont eu un accident. Belle anecdote. Putain, j'ai chaud. Ici, on le sait, vous aimez émettre du son. Voilà. Et c'est un secret pour personne, vous aimez la musique. Oui. Et ben nous, on s'est enfin décidé à sortir la compile que tout le monde attendait. C'est à vous présente. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer. L'anthologie Cadmerade. Pas là, mais t'es où? T'es pas là. T'es pas là. Viens. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
ce cordon bleu. La première compilation de ses plus grands hits. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ses plus beaux duos. Encore des mots. Vous n'avez jamais... Toujours des mots, pardon. Les mêmes mots. Fly me to the moon. Let me stay among the stars. L'anthologie Cadmérade. Je suis mort ou quoi, là? Mort. Oh, bravo. Et on va rajouter à cette anthologie l'antisocial. Oui. Merci d'en avoir ajouté un à la collection. Volume 2. Mais c'est joli comme petit moment. On aime bien, vous voyez. Vous êtes ému, vous êtes presque ému. Non. Vous voulez finir sur un collet serré. Je fais beaucoup de boucan, en fait. Et je voulais m'excuser auprès de mes camarades, de vous, parce que je fais du boucan. Mais c'est uniquement parce que je me sens bien, c'est tout. Hein. Eh ben exactement. Je pense que vous préférez ça que quelqu'un qui va être un peu en mode Samy Fray, quoi. Faites Samy Fray. Cette pièce, c'est une pièce sur l'ami Thier. Mise en scène par... Mais oui. Ça va être long, hein. Attention. Hein. Et on devrait déjà avoir rendu l'antenne. Oui, on est déjà en gros débord. Oui, puis il y a un gros son ce soir. Il y a du gros son. J'adore ce qu'il y a ce soir. J'adore. Ah bon, alors vous allez nous présenter. C'est l'heure du live.